Lumos. Revelio. Bon, où est la salle commune déjà ? De commencer en cinquième année à Poudlard. Revelio. C'est l'élève de cinquième année qui vient d'arriver. Une chance que notre camarade n'ait pas fini au bateau de dragon, comme ce pauvre homme du ministère. J'ai du mal à imaginer commencer aussi tard dans une nouvelle école. Qui est-ce que prend cette mêlée? Je ne te défendrai pas! Oh, qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Je ne comprends pas ce que je fais de mal! Ce n'est pas un sort compliqué! Je devrais pouvoir le lancer sans utiliser ma voix! Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah, bonjour. Bienvenue à Gryffondor. Je suis Cressida. Ravie de faire ta connaissance, Cressida. Tu as fait une entrée spectaculaire à la cérémonie de la répartition hier soir. Tu es arrivée juste à temps. C'est vrai que tu es la protégée du professeur Fig? Je ne dirais pas ça, non. Mais j'ai étudié un peu avec lui avant notre arrivée. Zut ! J'espérais qu'il t'avait donné des conseils sur les sortilèges informulés. C'est ce que tu essayais de faire tout à l'heure ? Ah, oui, j'ai un souci. J'ai maîtrisé le sortilège à l'aide de son incantation, mais c'est un peu plus compliqué. Ne baisse pas les bras, tu finiras par y arriver. Oh oui, j'espère. Si j'y arrive, le professeur Ronan sera vraiment impressionné. Je vais continuer à travailler. Eh bien, bonne chance. C'était un plaisir de te rencontrer, Cressida. Moi aussi. Profite bien de ton premier jour. Nelly ferait n'importe quoi pour attirer l'attention. Dommage que tu n'aies pas d'elle, Nelly. Je suis sûre qu'elle te servirait. Cette fille pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Je ne veux pas m'attirer d'ennui dès le premier jour. J'ai emporté mon exemplaire de Miller et champignons magiques en cours de botanique. Je l'ai laissé dans la serre à côté des plants de Mandragore. Tu ne veux pas goûter ? C'est moi qui l'ai faite. Bonjour, tu es l'élève de 5e année qui vient d'arriver ? Enchanté, je suis Gareth Weasley. J'ai entendu parler de ton arrivée ici. Incroyable ! Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi.
C'est vrai qu'il y avait quelqu'un du ministère avec vous dans la diligence ? Oh, oui, une connaissance du professeur Fig. Oh, je ne voulais pas être indiscret. Sale affaire, les dragons. Je suis soulagé que tu ailles bien. Merci bien, Garrett. Moi aussi. Tu es de la même famille que le professeur Weasley ? Ouais, c'est ma tante. C'est pas compliqué pour toi d'avoir ta tante ici ? Encore plus que ce que tu penses. La plupart des gens imaginent que je peux faire tout ce que je veux sans aller en retenue, mais ils ont tort. Tante Mathilda a tendance à me traiter comme si j'étais en première année. Elle me surveille de très près et c'est un peu étouffant. Mais je sais qu'elle veut bien faire. Et c'est une sorcière très puissante. On peut toujours compter sur elle. C'était un plaisir, Garrett. Et merci de m'en avoir dit un peu plus sur ta tante. Plaisir partagé. Bonne chance pour aujourd'hui. Professeur pourrait arriver. Oh. Pourquoi tout le monde est si tendu? Il n'y a aucun danger. Oh, bonjour. Ne fais pas attention à moi. J'aime changer de point de vue de temps en temps pour mettre les choses en perspective. Une fois, j'ai escaladé la tour de Gryffondor depuis l'extérieur, sans balai. Incroyable. Je m'appelle Nelly, au fait. Nelly Oxpire. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui t'est arrivé sur le chemin de Poudlard. C'est vrai pour le dragon ? Oui, notre diligence a été attaquée par un dragon. Waouh ! J'en crois pas mes oreilles. C'est passionnant et terrifiant. En tout cas, t'as apporté un peu d'animation à Gryffondor et à Poudlard. On en avait bien besoin. Je pense qu'on se recroisera, soit dans la salle commune, soit quand tu escaladeras ta prochaine tour. On sait jamais. Au revoir alors. Hé, la nouvelle ! Le professeur Weasley t'attend à l'entrée de la salle commune. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par « suivre ma progression » ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Par ici.
Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Peeves a une cible préférée pour ses attaques. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Ah, le guide semble avoir des informations pour vous quant à ce portrait du pauvre Baruffio. Lancez simplement Revelio dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Revelio. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités. Revelio! À l'intérieur du château, comme à l'extérieur. Pas de temps à perdre. On vous attend en classe. Revelio. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château, notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour.
et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilèges. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Revelio. Lumos. Revelio. Je suppose. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley ? Je n'ai pas osé mentir, mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley,
Avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures après Olar, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Revelio. C'est une bonne chose que la volière soit éloignée de l'autre. Revelio. Je leur en fais voir de toutes les couleurs. Personne ne doit craquer pire. Revelio. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio.
Revelio.